Je viens révéler à l'opinion nationale et internationale que M. Paul Kagame a vraiment un plan, pour l'Empire Tutsiland en Afrique centrale. Pour votre information, tant que l'œil du peuple, plat tournant de l'information de la jeunesse de l'UDPS, M. Kagame, à part l'infiltration au Asala en Congo, il a fait aussi l'infiltration dans un des pays voisins, Oeza Angola. Dans le cas de M. Mata Tampone, j'avais écrit dans mon communiqué le lobo boyoka ona nu boyoka te. C'est vérifiable. Ona zo lo banabino lelo. J'ai des preuves. Si Mata Tampone retorque ce kameki, je vais déballer les preuves nao babengi dans les réseaux sociaux. Mata Tampone ne va pas fuir la justice congolaise, même s'il y a des antivaleurs parmi d'autres magistrats et d'autres juges qui ne comprennent pas que c'est la justice qui donne le développement, que c'est la justice qui élève une. Dijem chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338. Plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. C'est la qualité de notre service. Nous avons honneur et Yambabino à un état-major politique et armée des bâtisseurs tisségédistes, Moko Yaba Mouvement Nakati, Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tisséked. Aujourd'hui, nous avons invité pour communiquer sur l'état de la nation en général et de notre très cher parti UDPS Tshisekedi en particulier. D'abord, nous allons parler des élections. L'élection Oyo, il y a 2023. UDPS et les élections. Le train des élections de 2023 a déjà décollé dans la gare de la CENI, c'est-à-dire commission électorale, organe légal de l'organisation des élections à RD Congo. L'IDPS, mon parti politique, a aligné cette fois-ci plus de 500 députés dans la course. Félicitations au CG Augustin Kabuya Mwanabute, président en exercice de l'IDPS, qui, dans sa matinée politique, avait donné quelques lignes de bonne conduite pour naba candidat Nabiso, candidat qui a déchiré papier ya Muningate. Augustin Kabuya a aligné plus de 500 députés dans la course hémicycle. En 2011, tu as aligné moins de députés avec Mutanda comme secrétaire général. En 2018, tu as aligné aussi moins de députés avec Augustin Kabuya, avec Jamal Kabunde comme secrétaire général. Mais cette fois-ci, avec Mwanabute Augustin Kabuya, nous avons aligné
500 députés. Et à part ça, tous en haut babengi, bas regroupement ou bas mosaïque, oh les CG va présenter. Donc l'IDPS va mettre en place au babengi arsenal électoral pour topper sa président au babengi majorité indiscutable na parlement. Gardien du temple à Bengi Bino Lelo, tant que mobilisateur, le dernier mobilisateur que le père, les sphinx avait nommé. Donc, qui vivra verra la victoire de l'UDPS sous le commandement d'Augustin Kabouya en l'élection en 2023. Notre arsenal électoral, bientôt te représenter Bino, est d'abord communicationnel. Nous allons lancer au Babengi une magazine télévisée au Babengi candidat favori 100% Fatshi. Une magazine de propagande. Nous allons tellement que Fatshi a aucune de campagne na au Babengi mbongo trésor public T. Nous allons lancer l'opération 1 dollar ou plus au Tosalara en 2018 de soutien à Fatshi comme président. Les numéros de compte vous seront communiqués par le secrétaire général, le numéro 1 du parti, Augustin Kabouya. Parce que Fati Azamoua Moussala Nabiso, nous sommes obligés, Biso, Oto Tindie, to soutenir candidature. Ne. Ça sera 1 dollar ou plus. Les mandataires de l'IDPS seront dans l'obligation de contribuer. Les ministres de l'IDPS seront dans l'obligation de contribuer. Et les députés de l'UDPS au bazar en fonction, ils seront dans l'obligation de contribuer. Bah combattant le col à basalaté, au basalaté, bah au pesa 1 dollar, bah au basala, bah au pesa au-delà de 1 dollar. Par cette occasion, tant que gardien du temple de la démocratie, je viens révéler à l'opinion nationale et internationale. Na ribrico na tché, l'instabilité de la sous-région, c'est Paul Kagame. Je viens révéler à l'opinion nationale et internationale que M. Paul Kagame a vraiment un plan, pour l'Empire Tutsiland en Afrique centrale. Pour votre information, tant que l'œil du peuple, plat tournant de l'information de la jeunesse de l'UDPS. Monsieur Kagame, à part l'infiltration au Salawana Congo, il a fait aussi l'infiltration dans un des pays voisins, Oeza Angola, jusqu'au sommet de l'État. C'est-à-dire, le vice-président angolais, Bonito de Souza, dont on dit qu'il serait originaire de Benguela, est un Tutsi. C'est pour cela, vous remarquez, tout ce qui se passe comme activité de paix en Angola ne donne pas de fruits. À part infiltration Kagame à Saliawa, dans l'armée Nabiso, dans le parlement Nabiso, dans le territoire Nabiso, mais en Angola, peuple angolais, il faut que Paul Kagame, le vice-président à Lorenzo, c'est un tous. Babimi, ça c'est vérifiable. Babimi, ça, yenetimutu, ya province à Benguela. C'est que le président de la République ne doit plus compter dans le voyage na Angola, puis dans multiples voyages, parce qu'il y a un pion de Kagame dans le niveau d'Angola. Ça, c'est le gardien du temple qui n'a pas une bouche de mensonge. Rien que la vérité. Troisième point, la justice en RD Congo. Nous connaissons tous que la justice élève une nation. Du temps du maréchal Mobutu, le détournement n'atteignait pas 50 000 dollars. N'est pas comme Mobutu. Le détournement et ben là quoi atteindre 50 000 dollars.
Mais actuellement, il faut détourner des millions. C'est là que je vais détourner, mais je vais atteindre 50 000 dollars. Mais actuellement, il faut détourner des millions ou des milliards pour avoir déjà une provision et qu'on corrompre la justice. Dans le cas de M. Mata Tampone, j'avais écrit dans mon communiqué le lobo boyoka on a nous boyoka te. C'est vérifiable. On a zolo banamino lelo. J'ai des preuves. Si ma tata Tampone retorque, ce qu'a meki, je vais déballer les preuves nao babengi dans les réseaux sociaux. Ma tata Tampone ne va pas fuir la justice congolaise, même s'il y a des antivaleurs parmi d'autres magistrats et d'autres juges qu'ils ne comprennent pas que c'est la justice qui donne le développement, que c'est la justice qui élève une nation. Monsieur Mata Tampone joue avec la justice congolaise comme dans un jeu de ping-pong. Trois fois à la cour de cassation, trois fois à la cour constitutionnelle. Et après, on nous dira qu'il n'y a pas un tribunal. Comme si on veut nous dire qu'il n'y a pas un tribunal qui peut juger Mata Tampone na Congo pour na ba détournement na e. Mata Tampone, avant qu'il quitte la primature, il avait constitué tout un système. Attaqué en place tout un système na cadre même azalibanda ya primature à Bandolia Kambongo ya l'état. C'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui. 1. Salaire des fonctionnaires. À chaque paye, il y a un fonctionnaire Mata Tampone chaque mois a 40 millions de dollars à travers sa société qui gère Obabengi les fichiers de paye ya Obabengi ba fonctionnaire. 40 millions de dollars même d'engaza libanda pour société wane gera kawana. Donc Samalukonde il faut à rompre na société où gera fichier ya paye ya ba fonctionnaire. Société en exagéré via un certain monsieur Kayembe, directeur à la Banque centrale. Yenda sala rapport wana pour mbongo komé la Mata Tampone malgré azalibanda match. Mata Tampone a créé une société privée pour abomonatra comme nango MGT na Congo centrale. Cette société privée est paralysée au Natra dont le responsable c'est son cousin. Il a créé une deuxième société de taxes. Et soit au moins 22 taxes dont l'argent va dans un compte inconnu dans la banque Raoubank Pesoficom. Mata Tampone a détourné plus de 1 milliard de dollars pendant 2 ans avec Obabengi Mbongo ya TVA. Pendant 2 ans, 1 milliard de dollars pendant 2 ans. Oyo, Mata Tampone a détourné. Après réclamation, il y a un opérateur économique, il y a une société la mine. Mata Tampone, tellement la société la mine, la zone c'est la bango mouambon, le quoi va foutre TVA, il y a bango la mouamingi. La zone c'est la bango rétrocession. Mata Tampone a signé au babengi deux décrets. Il y a suspension, il y a la TVA pour la société la mine. On a signé à quelques jours au Alinga Longwa. Décret numéro 16, décret numéro 16/28 du 27 2016. Dans le décret numéro 28, dans le décret numéro 16/29 du 27 2016. A signé deux décrets, on a Oyo est supprimé perception, il y a la TVA a créé l'état perte pendant au moins 2 ans. C'est Mata Tampone, les candidats de Fayulu et Denis Sessanga, les candidats pour diriger le Congo. Mata Tampone a construit l'université Naéo Mapombe avec l'argent de l'État. Je vais vous le prouver aujourd'hui. Plus de 6
plus de 6 800 000 $. Il y a ma participation, il y a ma société, il y a l'État. Ma personne, plus de 6 800 000 dollars pour la reconstruire l'université Mapam. Ma tête en pogne aussi pour récompenser ma société, ouano, ma personne qui a construit ma société à l'État. À ça, les Libango, ma bien, exonération de taxes, ma foutre à la taxe. Ma tante Ampogno a créé encore une société avec des Sud-Africains, comme on a FID, FED, c'est-à-dire FED, et ça sur l'avenir flamboyant, dont les actionnaires, et ça, papa nae, na moisi nae, Hélène Kabioko, comme moi si à ma tante Awana, madame ma tante Komone, Hélène Kabioko, au Kamonde naebi, comme moi si noa, au Kokimate. La justice congolaise n'aide pas le président de la République. Avec des magistrats de juges non patriotiques. Par exemple, les cas. La société de communication Vodacom avait importé des matériels de communication dont il fallait foutre à l'État congolais plus de 132 millions de dollars en 2021. La douane a transformé ma Kambouana. Na PV a ba contenté pour ba lingai ka mbongo Vodacom a banda ko linga ko fouta mbongo ate. La société Vodacom est fait contacter quelques batou dont un certain monsieur Belito ba transformer PV a contenté na 4 millions de dollars ba ke ko ko sa ba bengi ba transformer on a niveau wana na 4 millions de dollars à travers un certain M. Belito. La justice congolaise n'aide pas le président de la République. Bomba, 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 mabé. Parce que si Fati échoue, il a difficulté la biso, oh, babengi, UDPS, il a difficulté la yo. Excellence Kingandi, excellence Telte. Songolo Pakalate. La ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui prétend soutenir le président de la République, ordonne le partage, les fonds de secret des recherches, les fonds secrets des recherches FCR, que les chefs de l'État donnent dans un montant de 780 millions de francs congolais. Pour la recherche, il y a Miyibi, Kofile Miyibi. Bon, voilà, le fonds est partagé par un monsieur Komone Bichabu. Et Banda par... Donc, le fonds, voilà, ministre a bloqué au Bakabolango depuis 2022. Maman, voilà, Rose, ou la justice, voilà. Président de la République, bon, voilà, Bimara. Bon, moi, je suis maman, je suis Bimasiko. Mon sang, toi, tu es. Na moi je suis dans le gouvernement. Na ebite, ba sans tout bazar au compte. Le fonds secret de recherche. 780 millions de francs congolais obimara chaque mois ba kabolango. Moutazwa mbon wapwa kabolango eza un certain monsieur Bichabu Azakuna na niveau ya ministère de la justice. Madame Rose Mutombo, ministre de la justice, a instauré le clientélisme dans l'appareil judiciaire. Sur ce clientélisme a instauré dans l'appareil judiciaire, eza nini. Sur cette direction, 5 Eza, Batouabandundu, Babokilo Naye, Babo frère Naye, Mobal Naza Moutouabandundu. Excellence, au Kamonde Naibina État civil Nayo, je suis l'œil du peuple. Pour paralyser, oh Babengi intégrité, y'a appareil judiciaire. Madame Rose Mutombo,
alingi komona présence ya obabengi inspecteur général ya police judiciaire te oya koya ki malade alingi komona ete malgré que mutakoi malade dire ce qui a suspension koki alingi komona ete po inspecteur général Antoine Camille Azana makambu ebele. Makambu na olo balelo. Eza bato bazana ministère ya justice bazama na les nde bayaki awa na biro na biso ya doléance ya armée de bâtisseurs tisegediste po ba pesa biso. Ce sont des gens ya ministère ya justice. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela imokongo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Esengeli boyeba ke pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paye location, équipe ya ba professionnel ya imokongo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na imokongo hôpital lokola vente, achat, location, paye likamboteli déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, ezanga yi président ya imokongo hôpital. Tobe yango hôpital pona nini? Donc toute personne bazoluka ndaku ya kufute la to ya kosomba pana biso ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter ko za solution. Muto azoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour na za solution. Ya solo bondi melanga masolo immobilier botikele yango imokongo hôpital. Pokuna ma pangu nyo seza ya kote ka sans exception. Kodutete, nan ebi no peza ya kote. Na zoye psa ma batu nyo se ya ba ministère d'état. Setadi, pasyo bozo yoka, bola o ba bengi, bo benga ya numero plus 243-85-084-65-55. Plus 243 85-084-084-65-55 Wanyeza numéro nanga moko 24/24 gardien du temple de la démocratie. Ou bien Bobengi sou na plus 243-999-46-51 Na bandeli plus 243-999-46-51 Wana bozwanga moko. Pour terminer, je suis en train de lancer mise en garde sévère. Na balie nyo soya yi de pes. Tondimi bino komba nde koto bunda. Mais botika ko linga ko combattre pe ko tchela yi de pes ba peau de banane. Na niveau ya ba contre to ya ba province mususu. Le canet qui a province ya Bouende. Si vous continuez, je vais dire ça. Je vais communiquer, publier ma liste ya ba parti. Oh, entre guillemets, allié. Oh, bazo tchela IDPS, ba peau de banane. Oh, bazo jalouse IDPS na leadership nae. Je vais publier ça. Peko pesa on ba combattant. Boye ba oye goye la bine. Na niveau ya Bouende. Il y a un combattant, comme on a dit, Félix Bosse Kota. Moutoua a saleli, parti, permanence, a sangisi, ba fédération, oye panzanaki. Mais yo moutou ya IDPS, po kota IDPS, avant Bosse Kota. Ozo linga, oye tout feye, po favoriser ba allié. Ozole bisaye ke visibilité azo sala ya parti ati kango po président de la République akola yende fape saka mbongo involontaire Félix Bosse Kota. Pourquoi bolingi parti te bolingi ka ba poste na mbongo a parti pe ozo bloqué ba bengi
descente ya muto azapre ya ko loué ko payer ba billet pona seize Augustin Kabuya akende komo na ozo sama na niveau ya Bwende ozo bloqué yango pourquoi kindoki nanu ya onde seize Kabuya lobi mutu nyoso akose conduire bien té sa candidature sera retirée. Je dis et je vous remercie. Merci. Je suis un peu plus de temps. Ce qui est appété au peuple Moutoubilo pour le niveau parquet. Est-ce que madame la ministre Maroz Moutouma, au courant, elle est pour les tribunaux, elle est en train de se faire? Deuxième question, elle est sur le point de la force autodéfense au Zanakatia Nord. Nous avons dit comme il faut, alors, munitions au bord de la c'est ça le gouvernement congolais a favorisé le groupe rebelle au bazar intérêt parce que la fois passée MONUSCO a tenté de faire un opération opération DDR mais le gouvernement congolais a voulu qui côté bon alors pas moi bazar bunda na groupe rebelle dans le Rwanda disons mais bazar a force ouana wapi. Oui, d'abord pour la mambo, madame ministre, ça y est qui gardien lobby a changé façon et au sala sinon nakotia au babengi en marche action ya au senga démissionnaire a changé façon et au sala nakotia en marche malgré ba lobingo ya zanango action au sein de démission. Parce que sans la justice, nous ne pouvons rien faire. A changer façon. Pour la Makambo et Tuninga ya Est, c'est purement sécuritaire. Na Rwanda baloba makam na ba sécurité na ba médiaté. Vous comprenez? C'est purement sécuritaire. Ce sont ba beni ba matière à traiter. Je saurai comment contacter la commission parlementaire, il y a défense et sécurité. Merci beaucoup. Je dis et je vous remercie.